8h36, Dominique Youngblood est écrivain, explorateur, membre de la société de géographie et il compte bientôt partir au large de l'archipel des Bahamas. C'est aux Bahamas à la recherche de l'Atlantide. Ça mérite quelques explications. Voici celle de notre correspondant dans le Var, département depuis lequel partira l'expédition. Clément Julienneau. La découverte du site sur lequel compte se rendre prochainement Dominique Youngblood a eu lieu il y a quelques mois et presque par hasard. Il n'en fallait pas moins à l'explorateur pour penser à l'Atlantide. L'Atlantide est un mot difficile à prononcer parce que dès qu'on dit Atlantide, c'est vade retro satanas où nous tombons dans le mystique. Donc je préfère appeler ça la civilisation atlantique. Mais c'est un peu d'hypocrisie quelque part parce que n'ayant jamais eu de civilisation en Atlantique, la seule civilisation qui pourrait y avoir, c'est bien sûr celle qu'a décrit Platon, l'Atlantide. Pour le moment, Dominique Youngblood dit avoir recueilli 85% des 200 000 euros dont son équipe et lui ont besoin pour se rendre aux Bahamas pendant une dizaine de jours. L'opération est baptisée Mission Atlantis. Elle sera présentée ce vendredi soir à Hyères dans le Var. La réunion a lieu à 20h au forum du casino. Voilà, notez que pour l'instant, aucune date de départ de Hyères n'a été arrêtée. Pour en savoir plus sur cette mission, direction internet www.dominiqueyoungblood.org.